cercle vertueux de libres penseurs. Présente Espace Républicain. Espace Républicain. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis de Espace Républicain, merci de votre fidélité et bienvenue à cette énième édition. Nous sommes bel et bien à Kinshasa et où partira cette émission. Kinshasa qui vient de connaître un grand événement il y a quelques jours. C'est la signature de l'accord politique attendu, un accord politique qui a été obtenu après plusieurs semaines de négociations entre la majorité, l'opposition et la société civile. L'accord qu'on appelle l'accord de l'Union africaine, parce que c'est l'Union africaine et la cité de l'Union africaine qui avait été le siège de cette discussion. À peine donc cet accord est signé, vous avez remarqué des prises de position sont venues de partout. D'abord des Nations Unies, hier, c'est Ban Ki-moon lui-même qui prend acte de cet accord, qui félicite les Congolais et qui leur demande de continuer à travailler encore plus pour plus d'inclusivité. L'Union africaine, qui était déjà à la manette, n'a pas tardé de prendre position par Idriss Déby, le président tchadien, qui a dit qu'il prenait acte, qui félicitait les Congolais et qui demandait que les Congolais aillent de l'avant dans ce combat pour la normalisation. Il est vrai qu'il y a eu aussi l'Union européenne, qui n'a pas été du tout très satisfaite de cet accord de l'Union africaine. Nous avons donc connu, en ce qui concerne l'étranger, quelques dissonances dans l'architecture internationale. Nous avons donc parti cette émission en disant, sur l'accord de Kinshasa, les Nations Unies et l'Union Européenne ne naviguent pas dans les mêmes eaux. Pourquoi cela? Nous allons essayer de comprendre ça avec les différents éditorialistes qui sont sur ce plateau. À l'intérieur du pays, il y a eu plusieurs réactions. D'abord, il y a eu effectivement ceux qui ont signé, qui ont compris qu'ils avaient de poser un acte historique, qu'ils allaient ainsi avancer pour le processus électoral. Mais il y en a d'autres qui n'étaient pas dans la salle et qui étaient déjà contre ces assises, qui ont rejeté immédiatement, notamment ici je parle du Rassemblement, qui ont rejeté cet accord et qui continuent à demander la tenue de notre dialogue inclusif. Mais avant qu'on avance sur cette lancée, nous nous posons la question de savoir est-ce que cet accord est connu? Il a été signé, il a été lu par les signataires, par les négociateurs. Est-ce que l'opinion publique connaît cet accord? Nous allons donc, dans un premier temps, dans cette émission, essayer de faire le toilettage, l'analyse, la présentation. Qu'est-ce que l'on a dit effectivement? Quelles sont les grandes concessions? Qu'est-ce qui a été signé dans cette belle tente de la cité de l'Union africaine? Pour en parler, ils sont là, ils sont tous là, sauf Freddy, que je salue à partir d'Abidjan, où il est encore en mission, Jérôme Sekana, responsable de l'agence Galaxy Media. Bonjour Jérôme. Bonjour William. Merci toujours d'être là avec nous sur ce plateau, très attendu et très impatient par beaucoup de gens qui veulent connaître vos commentaires. José Nawej, bonjour. Bonjour Willy. Pour ceux qui ne le savent pas, mais je doute fort parce que nous sommes aujourd'hui à la 15e émission. José Nawej est le responsable éditeur du journal Forum des As. Et John Ngomboa, que je salue. Bonjour Willy. À qui je souhaite un rétablissement parce que John Ngomboa vient de rentrer de Cape Town et il a connu quelques démêlés de circulation. Il y a eu un accident de circulation. Dieu merci, il nous est revenu en entier avec quelques blessures. Bon rétablissement. Merci. Joachim Diana, dont on parle dans le monde, et on m'a demandé même si je ne pouvais pas le recevoir lui-même seul pour qu'il explique un peu pourquoi il est comme ça. Bon, comment il est? Il n'est qu'un journaliste, éditeur du journal La Colombe. Et enfin, Bruno Bollison, que tout le monde connaît aujourd'hui et à qui ça aide souvent. J'ai même eu des félicitations venant de Bukavu.
Voilà, c'est l'ensemble des amis qui sont ici. L'accord a été signé. Il y avait à peu près 300 personnes qui ont paraffé. Les autres ont signé. Pour le compte de la majorité, c'était le directeur de cabinet du chef de l'État. Pour le compte de l'opposition, c'était Vital Kamerhe. Pour le compte des personnalités, Azarès Urbérois. Et pour le compte de la société civile, Madame Madeleine Kalala. Qu'est-ce que vous avez retenu? Que peut-on dire de ce qui a été signé dans cet accord-là? Je ne sais pas si on peut commencer par José. Qu'est-ce que l'on peut dire? Qu'est-ce que vous avez retenu de l'accord du 18 octobre signé à la Cité de l'Union africaine? Oui, Willy. D'abord, cet accord, c'est un accord politique pour l'organisation d'élections apaisées, crédibles et transparentes. Donc, c'est un accord dont l'intitulé dégage même la substance. Les politiciens, les hommes politiques de l'opposition, la partie de l'opposition qui a participé au dialogue, ceux de la majorité et des organisations de société civile, se sont s'accordés sur les modalités d'organisation des élections. Et premièrement, ils ont formalisé ce qui était dans l'air du temps. C'est quoi? La refonte totale du fichier électoral, qui devrait prendre fin en juillet 2017, premier point. Et dès que la refonte du fichier électoral, donc, et puisqu'il y a une mandature, une législature, un mandat qui se termine, ils se sont accordés sur un gouvernement d'union nationale. À mon goût, ça aurait été un gouvernement de transition, parce que c'est une transition vers. Enfin, ils ont appelé ça gouvernement d'union nationale. Intérimaire. Non, dans l'accord, c'est dit aussi gouvernement d'union nationale. C'est écrit. Mais période intérimaire. Expressis verbis, gouvernement d'union nationale. Bien. Et ils se sont accordés sur le fait que ce gouvernement sera conduit par une personnalité de l'opposition. Ils se sont accordés aussi sur le fait que les trois élections présidentielles, législatives et provinciales se tiennent le même jour, en même temps, et que, éventuellement, si les moyens le permettent, il ne faut pas être, disons, un prestidigitateur pour dire déjà que les moyens ne permettront pas. Voilà. Et donc, ce sont ces trois élections-là. Voilà, à mon avis, cet accord de 12 chapitres et 25 articles, ce que ça dit, et qu'il y aura aussi un comité de suivi pour la mise en œuvre de cet accord. Moi, je pense aussi que l'autre point, j'allais oublier, et que les élections sont prévues pour avril 2018. Et c'est là, après que les uns et les autres ont donné leurs raisons, il y a eu des concessions, c'est normal dans un accord politique. Le problème, c'est que quand un accord est signé, Edem Kodjo l'a dit, tout le monde l'a dit, ce n'est pas le premier accord qu'on signe dans ce pays, c'est le énième accord. Tout le problème, c'est maintenant la bonne foi des acteurs, des partis, pour voir sa mise en œuvre. Merci, José Nawej. Jérôme Sekana, oui. Sur la même question, évidemment, ne revenez pas sur ce que José a déjà dit, parce que nous présentons l'accord. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous ajoutez votre point de vue aussi. Vous savez, d'abord, cet accord a le mérite d'apporter une solution à l'impasse. Nous vivons une situation très critique avec des comportements désastreux qui font croire à tout le monde et même à ceux qui sont nos partenaires que nous sommes en train de rouler vers l'implosion et qu'il fallait que les Congolais se parlent. Et les Congolais se sont parlé, quand bien même tout le monde n'est pas allé à cette rencontre, les autres sont restés en dehors. Mais au moins, c'est un pas dans la bonne direction, dans la mesure où, même à la rencontre de Luanda, qui est prévue pour essayer de faire le point de l'accord d'Addis Ababa, parce que c'est ça l'objet, ce n'est pas pour aller encore faire un autre dialogue là-bas. Mais ce qui est vrai est que
maintenant, on peut parler sur base d'un accord qui a été trouvé entre les Congolais, quitte à voir comment le rendre plus inclusif. Plus inclusif, bien sûr, il y a des voix qui s'élèvent, du côté notamment du Rassemblement, mais également du MLC qui vient de se prononcer. Mais je pense qu'il y a moyen de jeter des passerelles entre ce qui s'est dit au niveau du Rassemblement, au niveau du MLC et au niveau de l'accord politique inclusif qui vient d'être signé les 18 derniers. Donc, le travail à faire, c'est comment s'approprier. Parce que nous ne pouvons pas franchir la date. Aller donc franchir la date du 19 décembre 2016 dans un climat d'incompréhension entre ceux qui ont participé dans au dialogue national inclusif et ceux qui n'ont pas participé. D'où la nécessité. Et ça, que ce soit la communauté internationale, que ce soit nous-mêmes à l'interne. Parce que de part et d'autre, je ne vois personne qui peut accepter de brûler ce pays parce qu'il n'a pas été au dialogue ou parce que les autres disent que les autres doivent nécessairement se ranger derrière ce que nous nous avons dit. Donc voilà le problème. Notre ami venait de dire l'essentiel, mais pour moi, d'abord ce dialogue, parce que je réponds à la question que vous avez posée, n'est pas connu. Il y a un travail de vulgarisation qu'il faut faire. De l'accord, oui. Pour que la population s'approprie. Parce que le problème, c'est que, en tant que communicateur, il y a vraiment un grand vide entre les décideurs et la population. Il faut donc vulgariser. Il faut vulgariser pour amener la population à s'approprier. Et s'il faut corriger, s'il faut compléter les idées des autres. Parce que les grandes idées de part et d'autre se retrouvent dans cet accord. Maintenant, il faut peut-être améliorer pour que tout le monde puisse s'approprier afin d'éviter les déluges que d'aucuns voudraient voir dans ce pays. Et que merci, mais ne parlons pas encore de déluges. Parlons d'abord de l'accord lui-même. Merci, Jérôme. John Gomba. Oui, dans le même exercice que José, je voudrais rapidement donner les titres des 12 chapitres. Ça peut déjà donner la substance de l'accord. Chapitre 1, du fichier électoral. Chapitre 2, de la séquence des élections. Chapitre 3, du calendrier électoral. Chapitre 4, des mesures d'équité et de transparence du processus électoral. Chapitre 4, de la sécurisation du processus électoral. Chapitre 6, la sécurisation des personnes. Chapitre 7, du budget et financement des élections. Chapitre 8, du code de bonne conduite lors des élections. Chapitre 9, des institutions de la République. Chapitre 10, des mesures de confiance. Chapitre 11, de la mise en œuvre de l'accord et son suivi, et chapitre 12, des dispositions finales. En fait, cet accord, il a, dans sa substance, il traite de la question électorale, qui est la question à problème. Et n'eût été ce contexte polémiste, cet accord a un bon fond, au moins en ce qui concerne les recommandations qu'il a prises pour recadrer le processus électoral qui était en perte de vitesse. Bon, après, je pense que l'accord a le mérite au moins d'exister, parce que nous étions dans une forme de vacuité. On allait où, les dialogues allaient se terminer ou pas, bon, on veut faire un autre dialogue, mais il fallait quand même, comme disent les Anglais, step by step. Ça, à mon sens, c'est une étape. Peut-être qu'il y en aura d'autres, et certainement, parce que l'accord déjà prévoit la possibilité, est-ce que ceux qui n'ont pas signé, qui n'étaient pas là, peuvent signer. Certainement, ils vont venir avec un certain nombre de conditions, ben, ça fera peut-être la suite dans l'émission. Monsieur Diana. Bon, moi je pense que, d'abord pour répondre à votre question, est-ce que l'accord est connu? Mais l'accord est connu dans les contre-vérités. Les contre-vérités, c'est-à-dire les contre-pieds de l'accord sont bien connus. Pourquoi? Parce que ceux qui sont contre les contre-pieds communiquent plus que ceux qui devraient parler de l'accord eux-mêmes. Peut-être c'est parce que, comme on dit, que ceux qui sont au pouvoir ont la bouche pleine, ne savent pas parler, mais ceux qui ont la bouche vide parlent beaucoup, et comme ça, ils sont plus écoutés. Et c'est ça. Donc, quand vous causez avec les gens de la cité, ils connaissent plus le contre-vérité. Quand vous essayez d'expliquer, les gens ne vous comprennent pas, que vous êtes en train de leur mentir. Alors, mais en ce qui concerne cet accord, pour qu'on comprenne pourquoi on devrait arriver à l'accord, je crois à cette émission ici, une fois j'avais dit que la politique, c'est comme un jeu de cartes. Pour bien jouer les jeux de cartes, vous devez vous mettre d'accord sur les couleurs, sur les jokers, sur les piques.
Mais si chacun a ce qu'il appelle pique pour lui, chacun a son joker, vous ne pouvez jamais... Et malheureusement, c'est dans cela que nous étions. La constitution, chacun la comprend à sa façon. Et pourtant, ça devrait être le lieu qui détermine les couleurs des cartes. Chacun estime quel est l'article de la constitution qui est privilégié, laquelle qui est la plus importante, ainsi de suite. Alors, compte tenu de l'impasse d'organiser les élections dans le délai constitutionnel, c'est là le point de départ. Il fallait que la classe politique se mette d'accord pour voir comment on va gérer ce problème. Malheureusement, il y a des gens qui voulaient en profiter, parce que c'est toujours comme ça. Quand il y a un forum, tous les forums qu'on a organisés, au lieu d'organiser le pouvoir, les politiciens congolais en font un lieu de la conquête du pouvoir. Alors qu'ils devraient organiser comment conquérir le pouvoir, mais ils ont fait des forums la conquête du pouvoir. Mais c'est ça qui dévie et qui fait que beaucoup de gens ne parlent plus correctement. On avait en retard. Le retard, je le répète, n'en déplaise à tous ceux qui pensent que Diane raconte des histoires. Ngoï Moulunda est parti en 2012. De 2012 en 2014, pas décennie. Même si le gouvernement avait l'argent, il devrait le donner à qui? Lorsqu'en 2014, Ngoï Moulunda arrive, Malumalu arrive, il propose un premier calendrier partiel, on le refuse. Deuxième calendrier global, on le refuse. Mais c'est alors que le chef... Pourquoi on a refusé le dernier calendrier? Il n'était pas consensuel. Consensuel, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que tout le monde ne s'était pas mis d'accord sur ce calendrier-là. C'est alors que, en tant que garant de la nation, le chef de l'État dira, bon, ok, même si on savait déjà que la CENI, c'est déjà le consensus, parce que tout le monde se trouve au sein de la CENI, mais le chef de l'État fait abstraction de tout ça. Il dit, venez, mettez-vous autour de la table, trouvez les couleurs de vos cartes, donner à la CENI l'option. Quand est-ce la CENI peut vous donner un calendrier acceptable par tous? C'était ça le dialogue depuis novembre. Les gens ont continué à refuser. Il y en a qui continuent à le refuser jusqu'à aujourd'hui, tout en exigeant les délais constitutionnels. Nous voulons aller aux élections dans les délais constitutionnels, mais on ne veut pas trouver l'occasion pour donner à la CENI le moyen de leur donner les options. On en est là. Et cet accord a l'avantage aujourd'hui de faire voir clairement que la communauté internationale elle-même n'a pas aussi les mêmes couleurs de cartes. Vous allez voir que l'UIA, qui fait la politique de proximité, qui a accompagné le processus, qui a envoyé le facilitateur, comprend mieux le système parce qu'il n'y avait pas autre chose à faire. Mais l'Union européenne, qui agit à distance, et dont on ne connaît pas que fait son représentant ici au Congo, il est dans d'autres. Il y a, la France dit une chose, l'Union, c'est comme si la France n'était plus dans l'Union européenne. Or, généralement, dans beaucoup de questions, même le pays de José Naoué, ici, la Belgique, elle dit, nous prenons position de l'Union européenne. Mais ici, la France agit en aparté. Merci, Diana. Nous allons revenir à la question, c'est la question suivante. Mais d'abord, on donne la parole à Bruno rapidement sur la première question. Merci beaucoup, Willy. D'abord, comme les autres ont dit, sur le plan du principe, l'accord jette un compromis global pour l'organisation des élections selon les standards internationaux. Et l'accord également a le mérite de justifier et d'encadrer les dépassements du délai constitutionnel pour la tenue de ces élections. Donc cet accord-là n'avait pas de sens s'il n'y avait pas un dépassement du délai constitutionnel au 19 décembre, on l'a dit, par rapport à l'organisation des élections. Mais l'accord a des points forts. Les points forts ou les avantages de l'accord, c'est-à-dire que dans un premier temps, l'accord nous donne un chronogramme en ce qui concerne l'organisation des élections. Une sorte de calendrier avec des dates précises. On l'a dit, 31 juillet, fin de révision du fichier électoral. 31 octobre 2017, convocation du corps électoral et 30 avril 2018, élection présidentielle, législative et provinciale. L'accord a également l'avantage de réaffirmer la nécessité d'une concertation permanente entre la CENI et ses différents partenaires à l'interne et à l'externe. Parce que s'il y a déficit d'échange, s'il y a déficit de communication entre les différents partenaires engagés au processus électoral, c'est là qu'on enregistre des problèmes. L'accord a également l'avantage de réaffirmer la nécessité de renforcer la sécurisation de l'Est de la RDC, nous l'avons dit, je crois, dans l'une des émissions, pour la bonne tenue de ces élections. Parce qu'on ne saura pas bien organiser les élections si
le Grand Nord est aujourd'hui ensanglanté, si les Haro, le territoire de Haro en Ituri est aujourd'hui envahi par les rebelles sud-soudanais et même ougandais, et si le territoire de Ouattara Niangara dans les Haut-Tuélé est toujours envahi aujourd'hui par des professionnels du chaos venus de l'interne ou de l'extérieur. L'accord également a l'avantage de faire injonction au gouvernement de respecter le planning de financement de la CENI avec un décaissement bien chronométré, bien régulé, mais avec le contrôle du Parlement sur l'utilisation de ces frais alloués à la CENI. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, la CENI peut vous dire non, cette évaluation dans le sud ou Bangui, ça va nous coûter 18 millions de dollars, personne ne va discuter. Et puis, autre avantage, je vais terminer par là par rapport aux avantages, l'accord a l'avantage de souligner ou de décréter la formation d'un gouvernement d'union nationale ou de transition, comme l'a dit. Nous savons dans nos habitudes, dans les coutumes de la pratique politique en RDC, quand il y a formation du gouvernement, il y a toujours une cristallisation, il y a dans une certaine mesure une sorte de renforcement de la cohésion nationale, parce qu'on ne peut pas avoir éternellement des ministres qu'il faut 12 ans, 13 ans dans le système démocratique, ce n'est pas vraiment permis. Donc il faut qu'il y ait des rotations. Mais l'accord, parce que ce n'est pas un texte messianique, encore moins théocratique, a des faiblesses. La première faiblesse que j'ai notée, c'est que dans l'accord, il y a un manque à préciser en ce qui concerne les aspects cruciaux du dialogue. On va y revenir, je ne vais pas entrer en profondeur, je crois que ceux qui nous suivent savent. L'accord également manque de précision sur les modalités de définition de la nouvelle majorité parlementaire. Parce qu'on a dit, sans préjudice de l'article 78, quand on dit sans préjudice en d'autres termes, il faut tout faire pour ne pas tuer cet article-là. C'est ce que ça veut dire en des termes simplifiés, sans préjudice. Donc, logiquement, il faudra que celui dont le parti aura la primature, il faudra que ces députés, qui sont jusqu'à cet après-midi à l'opposition politique, parce que c'est ce que dit l'accord, fassent une déclaration publique qu'ils ont rejoint la majorité parlementaire pour que la nomination de ces premiers ministres issus de l'opposition soit constitutionnellement correcte. C'est ça le grand débat. Ça peut se faire à travers une motion incidentielle, le jour où le premier ministre amènera son équipe gouvernementale à l'Assemblée nationale. Ça peut aussi se faire avant, mais je comprends des hésitations de certaines formations politiques qui ne peuvent pas faire cette déclaration avant, parce que vous pouvez faire une déclaration aujourd'hui que nous, parce que Jérôme Sekana est nommé premier ministre, nous, le parti de Jérôme, nous devenons la majorité. Demain, ce n'est pas Jérôme Sekana, c'est José Naoué qui est nommé. Problèmes. Et on a vu des surprises. Voilà, merci beaucoup, Bruno, de cette. Mais je voudrais, si vous permettez, 30 oui, secondes. Oui. Cité par les grands déficits, Willy Kalengaï, à mon avis, la plus grande faiblesse de cet accord, c'est la non-prise en considération de l'aspect sensibilisation et communication de l'accord. Non, ils en parlent. Non. Attendez, ils en parlent là-dedans. Nulle part. À mon avis, la responsabilisation est mal dirigée. Parce qu'on donne aux ONG, voilà, aux forces coutumières, à la société civile d'organiser. Mais suivant quel moyen, ils ne se sont pas engagés. Okay. Moi, je voulais plutôt qu'on responsabilise les gouvernements pour bien sensibiliser, communiquer autour de cet accord. Ne serait-ce que le gouvernement provincial. Je pense que ça va de soi. Hein, pas du moment où un premier ministre sera issu de cet accord, son premier travail... Qui va certainement suivre ce qu'il nous dit. On connaît les juste écoutés chez nous. Si n'y a pas de pression, on n'est pas tenu de le faire. Son premier travail serait effectivement de faire connaître la base sur laquelle il a quand même été choisi. Nous avons la foi. Nous allons essayer de poser deux problématiques. Je l'avais déjà annoncé en début d'émission. D'abord, c'est au niveau international, parce qu'il faut quand même que nous puissions, nous l'avons dit ici dans la première émission, notre pays n'est pas n'importe quel pays. Quand nous faisons une lecture des événements en interne, et John Ngombo l'a dit la fois passée, il faut intégrer toujours la quatrième composante qui est la communauté internationale. Mais aujourd'hui, elle est aussi bipolaire. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, cette forme de contradiction au niveau des Nations Unies et de l'Union africaine? Pourquoi il y a deux positions différentes? Y a-t-il des enjeux qui sont au Congo? C'est l'Union européenne et les Nations Unies. Parce que l'Union africaine est avec les Nations Unies. Oui. Voilà. Donc, c'est cette question-là. Et sont de l'évacuer très rapidement pour qu'on revienne aux questions internes en ce qui concerne ceux qui n'ont pas signé. Comment on fait pour la suite? Je vous ai très rapidement. Hein, maintenant, vous avez très, très peu de minutes pour développer. Oui, non. D'abord, il faut qu'on appelle un chat un chat. C'est Albert Camus qui dit, à mal nommer les choses, l'humanité, voilà, on connaît la suite.
disons que la communauté internationale dont nous parlons souvent ici, souvent, dans nos problèmes africains, c'est les pays occidentaux. Disons les choses telles qu'elles sont pour que les gens comprennent. Quand nous parlons de la quatrième composante qui est la communauté internationale, il faut bien traduire ça. C'était la Troïka dans les années 90. La Troïka, c'était la Belgique, la France et les États-Unis. Et c'est plus ou moins ces mêmes pays. Quand vous ajoutez la Grande-Bretagne, vous ajoutez l'Allemagne, vous ajoutez le Canada, vous avez fait le tour de ce que nous nous percevons comme communauté internationale. Et ce sont ces pays-là qui sont plus ou moins en désaccord avec le gouvernement congolais. Et pour dire encore les choses très simplement, avec le président Kabila. Voilà, il ne faut pas se cacher derrière nos petits doigts. Donc, c'est ça, cette communauté internationale dont nous parlons. Mais maintenant, cette communauté internationale, depuis environ un an, un peu plus d'un an d'ailleurs, John Kerry était venu ici, il a tenu un discours, et c'est le même discours que toutes ces capitales occidentales développent depuis. Alors, il y a une dynamique qui est née avec le dialogue, une dynamique africaine. La commission africaine avec Kwesi Sana Zuma qui a désigné Edem Kodjo. Edem Kodjo a tenu son dialogue jusqu'au bout. L'Union africaine, logiquement, ne pouvait pas désapprouver ce que son Missi Dominici a fait ici. C'est tout à fait cohérent. C'est dans l'ordre naturel, logique des choses, que l'Union africaine ait adoubé le travail qui a été fait ici. De la même manière, Mutatis Mutandis, c'est dans l'ordre naturel des choses que les Nations Unies, comme institution, l'ONU comme institution, parce que l'ONU est partie prenante dans ce qui s'est fait ici, il n'a échappé à personne ici, que le jour de la clôture, le représentant, secrétaire général le secrétaire adjoint. Général, il était là, il a pris parole. Donc, c'eût été contradictoire que deux jours après, les Nations Unies disent « Non, nous, on ne reconnaît pas ce que vous avez fait là-bas. » Et donc, là, nous assistons à une espèce de duel qui ne dit pas son nom entre, d'une part, les Nations Unies, l'Union africaine, et l'Union européenne. Mais fondamentalement, dans la nouvelle géopolitique mondiale, et c'est que vous avez des nations africaines qui estiment qu'ils doivent de plus en plus affirmer leur souveraineté. C'est ça le débat fondamental. Ce n'est plus un débat congolais. Ça devient un débat des pays africains face à ce que certains dirigeants africains considèrent comme une espèce de dictat qui vient d'ailleurs. Merci, ce n'est José. Pas par hasard, je termine par là, c'est pas par hasard que le cas libyen est souvent mis en exergue. Dit voilà, fort de votre expertise, nous vous avons suivi sur le cas libyen. Vous avez aujourd'hui, la Libye libérée a cessé d'être un État. Très bien. Voilà. Merci. Jérôme Sekana. Oui, vous savez, nous avions, dans l'une de nos émissions ici, parlé de la naissance de la République démocratique du Congo depuis 1885. La République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays. Ici se croisent les intérêts de tous les horizons. Et vous avez vu la même communauté internationale à un double langage. Quand nous regardons le Rwanda, Kagame a rempilé, sans beaucoup de problèmes. Vous regardez Museveni a rempilé. En face de nous, le président Sassou a rempilé. Et à côté, à Luanda, en Angola, c'était la même chose. Ici, les voix s'élèvent, notamment de la communauté internationale, parce que ces intérêts-là, croisés, tout le monde a un regard très branché là, dans ce qui se passe ici. Et on voudrait que ce pays fonctionne peut-être comme en Occident, alors que notre démocratie est encore trop jeune. Il est vrai, il y a des failles. Et ces failles, parmi les failles, c'est que nous n'avons pas été à mesure d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et puisque nous n'avons pas été à mesure d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, il fallait nécessairement trouver un accord. L'accord vient d'être là, même si tout le monde n'est même pas sur la même longueur d'onde. Maintenant, on constate également que le langage commence à changer au niveau de cette communauté internationale. Auparavant, c'était, en tout cas, on ne peut pas dépasser le décembre 2016. Maintenant, on dit qu'il ne faut pas dépasser décembre 2017. Regardez comment ça évolue. Donc, ça évolue et parce que cette communauté internationale
pense qu'elle a un rôle à jouer dans cette République-là, non seulement parce qu'elle apporte sa petite contribution, parce que il faut qu'on se dise la vérité, les moyens feront défaut, et vous avez entendu la même communauté internationale, notamment l'Union européenne, qui a dit qu'elle est prête à mettre la main à la poche, les États-Unis, ainsi de suite, même si en 2011, la communauté internationale n'a pas mis vraiment la main à la poche. Donc, nous sommes face à cette réalité-là, où on ne peut pas se permettre n'importe quoi, et lorsque nous ne sommes pas en communion avec toutes les composantes à l'interne, y compris la quatrième composante qui est à l'international, il y a un problème qu'il faut résoudre. Voilà pourquoi j'en appelle à la retenue. À la retenue, pourquoi ? Parce que le joute oratoire auquel on assiste est très dangereux. Parce que c'est ça qui crée des problèmes et nous pouvons arriver à des actions qui ne riment pas avec la démocratie. Vous avez encore la parole. Vous allez laissez-moi avoir des agendas cachés. Non, Jérôme, laissez-moi vous poser une question précise. Il faut être précis, il faut rester dans ma question. Hein, d'accord. Oui. J'ai dit, comment vous interprétez ce qui apparaît comme étant une divergence dans la prise de position? Voilà. L'accord a été signé, les Nations Unies prennent acte, l'Union Européenne est réservée. Qu'est-ce qui se passe? C'est à ce niveau-là que je voulais votre réponse. Écoutez, À ce niveau-là, vous savez, l'Union africaine, pour une fois, on l'a vu se mobiliser, elle est derrière la République démocratique du Congo. Elle s'est déterminée, elle est en bloc, l'Union africaine. Mais l'Union africaine ne pèse pas. 95% même au niveau de l'Union africaine, le fonctionnement au niveau de l'Union africaine, c'est financé par ces mêmes occidentaux-là. Ce qui fait que la main qui donne a beaucoup plus de pouvoir que la main qui reçoit. Le problème qu'il y a ici, c'est qu'il faut harmoniser même entre l'Union africaine et cette communauté internationale pour éviter. Parce que pourquoi l'Union africaine s'est ressaisie? Parce qu'elle a vu ce qui s'est passé en Libye. Nous étions à Addis Ababa lorsque l'ancien président de la commission, les Gabonais, Jean Ping, se plaignait devant nous à la presse pour dire qu'il voulait aller à Tripoli, mais cette communauté internationale lui a interdit d'aller là-bas. Merci, donc Jérôme. C'est pour vous dire que l'Union africaine, elle peut tout faire. C'est bien qu'elle prenne maintenant conscience du rôle qu'elle doit jouer au niveau de l'Afrique. Mais à votre avis, elle n'a pas encore de moyens pour s'imposer? Non, l'Union africaine, en tout cas, n'a pas de moyens pour s'imposer. Merci. Surtout les moyens financiers, les moyens politiques, d'accord. Très rapidement, hein, il nous reste 5 minutes. J'ai encore deux questions à vous poser. Alors soyez quand même vraiment je précis. Je suis d'accord avec Freddy et Jérôme quand ils disent que la communauté Jérôme et José. Voilà. Freddy est là, mais il est voilà, quand ils disent que la communauté internationale a double langage, je dirais même multiple langage. Mais la communauté internationale, quand nous parlons de la communauté internationale, c'est l'Occident. Ce n'est pas les Botswana. Les Botswana ne contribuent à rien. On peut fermer et refuser les visas aux Congolais pour la Zambie, ça ne fera rien. Mais quand on refuse pour la Belgique, pour la France, pour les États-Unis, ça sert quelque chose. Mais c'est une aliénation. Vous avez posé une question. Voilà. Vous avez une question très importante. L'aliénation, c'est que ça compte une de notre point interne. Vous avez posé une question intéressante. Pourquoi une sorte d'ambivalence entre le point de vue de l'Union européenne et le point de vue des Nations unies? Je trouve deux explications. La première explication, c'est qu'au niveau des Nations unies, les Nations unies en soi ne pèsent pas par rapport aux sanctions internationales à appliquer sur un pays. C'est plus les États. Et c'est plus quand les Nations unies font une déclaration et les États-Unis font une. Les États-Unis, parfois, ils vont même au-delà des Nations unies parce qu'ils sont plus pesants que les Nations unies. Et l'Union européenne, il faut comprendre, il y a l'Union européenne, il y a la position de la Belgique qui est prépondérante, vous savez, les intérêts. Il y a la position également de la France. Avec la France, il y a beaucoup d'influence des médias internationaux. La plupart des médias internationaux consommés ici sont des médias français. Alors, vous comprenez la virulence de la France. Et donc, il y a aussi un aspect, c'est que Ban Ki-moon a fait un mandat. Il veut éviter des polémiques inutiles. Encore que dans sa déclaration, il n'a pas dit « nous prenons acte de la signature de l'accord, point final ». Non, il demande à ce qu'il y ait un effort d'inclusivité. Et c'est cela, toute la problématique, tous les défis de la crédibilisation et de la consolidation de l'accord qui a été signé. Oui. Et il faut ici proposer, encourager les signataires à observer des attitudes ou des comportements qui favorisent un dialogue permanent et franc avec les non-signataires de l'accord, qui peuvent se retrouver si l'accord est bien appliqué. Mais si l'accord n'est pas bien appliqué, la position des non-signataires, les rassemblements, le MLC, qui se disent non liés, peut se renforcer
Et ça va poser aujourd'hui des problèmes. On va revenir à la case de départ. Merci, et merci, peut-être merci, assister Bruno. À un deuxième dialogue merci, Bruno. Qu'on n'a pas prévu. On prend John Rombe et puis on prend Mon explication, c'est qu'il y a un choc d'agenda. Il y a l'agenda des Américains et l'agenda panafricain. Les États-Unis d'Amérique sont en réalité les vrais, entre guillemets, propriétaires du Congo. Au départ, ce sont les Américains. Une institution américaine qui a même financé les explorateurs qui sont venus découvrir le Congo. Et même lorsque la Belgique gère le Congo, c'est sous procuration, c'est une procuration des États-Unis. Donc, il y a un agenda américain. Et aujourd'hui, avoir la manière dont les États-Unis ont décidé de franchir même les caps de propos diplomatiques, donc... Ils ont décidé d'en découdre avec le pouvoir à Kinshasa. Et de l'autre côté, vous avez une démarche panafricaine qui veut quand même, compte tenu de ce que nous avons vécu ici en Afrique, les cas de la Libye, citons-le, essayer d'y aller de manière plus posée. Et cet agenda africain se répercute en réalité sur les Nations Unies. Parce que vous savez, aujourd'hui, si l'Union africaine a récupéré les dossiers, c'est parce qu'il y a eu une démarche au niveau des Nations Unies qui a dit qu'elle était bien loin, mais il y avait une organisation régionale qui pouvait traiter les dossiers. C'est ainsi que ces dossiers sont revenus au niveau de l'Union africaine. Merci. Diana, c'est la même question rapidement. Bon, mais moi, je me pose la question à écouter, les amis. Je ne sais pas qui est encore son papa vivant ici. Qui continue à agir sous les ordres de son père? Nous tous ici tels que nous sommes là. Nous avons réussi à créer nos petites familles. Nous sommes nous-mêmes des responsables. Je suis quand même étonné qu'il puisse encore avoir dans le mental congolais que les Américains, les Belges, nous devons rentrer à l'époque de la création de ce pays. Même lorsque Mbolison dit que si on supprime les visas avec la Zambie et avec la Belgique, on va souffrir plus pour la Belgique que pour la Zambie. Mais c'est faux. Une certaine classe politique va souffrir. Mais quand on coupe la Zambie avec le Congo, toute la masse qui est le long des frontières va en souffrir. Et puis, ils n'ont même pas besoin. Le visa, c'est quoi? C'est une invention qui ne concerne aller à la frontière avec le Rwanda, quelle que soit la guerre. Les gens traversent partout ici, à Brazzaville, tout ça. Pas besoin. Donc, ces échanges-là, nous, on n'a pas besoin d'aller en Belgique pour avoir le Matembele Bank. Bon, mais ce sont ceux alors, qui mes amis, alors, alors, maintenant, c'est oui, pour dire ceci. Oui. Tevo Djere avait dit ceci. Ce n'est pas parce que nous sommes noirs que nous sommes pauvres, mais c'est parce que nous sommes dominés que nous sommes pauvres. Et ce n'est pas parce que nous vivons ceci, parce que nous sommes des Congolais qui vivons dans le pays de Léopold II ou de la propriété de cette... Mais c'est parce que nous sommes dominés tellement par cette... Nous sommes dominés dans notre mental et nous pensons... Et pourtant, parce que lorsque j'écoute les amis, on croit que maintenant que la communauté internationale est au-dessus de l'Union africaine, donc ce dialogue n'a pas d'avenir. Si je vais jusque-là... Et pourtant, je veux vous rappeler, en 1998, lorsque la SADC décide d'intervenir au Congo contre le Rwanda, les Américains ont envoyé leurs officiers militaires pour aller dissuader le Rwanda de ne pas intervenir au Congo pour que les Rwandais prennent le Congo. Mais la SADC a dit niet. Les Zimbabwéens, les Angolais et les Namibiens sont venus pour secourir la République démocratique du Congo. Pour ne pas encore remonter jusqu'au déluge, dernièrement il y a eu l'affaire de la force d'intervention rapide. Ban Ki-moon est sorti de la salle à Addis Abeba. Il n'en voulait pas, mais les pays africains ont dit il en faut parce que nous ne voyons pas toute la MONUSCO, qu'est-ce qu'elle fait? On a créé la force d'intervention rapide et on a tenu. Donc ne pensez pas toujours que tout ces questions d'argent. Ce dialogue, les Africains, s'ils y tiennent, et comme ils y tiennent tel que je vois, il va aboutir l'Union européenne, qu'on sort des gens qui parlent à distance, qui ne vivent pas les Africains. Lorsqu'il y a guerre ici, l'Union africaine en souffre. Mais l'Union européenne ne sentira rien. Donc ils ont intérêt à s'engager et nous avons intérêt à soutenir l'Union africaine, nous les Congolais. Parce que si nous-mêmes, nous ne sommes pas ouverts, nous ne sommes pas prêts à être soutenus, mais alors la communauté internationale, vous savez, sa politique avec votre Belgique, c'est divisé pour régner. Nous sommes donc, nous avons fait le tour de l'extérieur. Maintenant, nous sommes à l'intérieur du pays. Il y aura certainement un gouvernement qui va être mis en place.
mais nous n'avons jamais aussi été autant dans la contradiction. Jamais la classe politique congolaise n'a été aussi divisée. Même après les dialogues, les prises de position les uns des autres sont aux antipodes. Comment nous vivons jusque-là? Comment nous allons faire? Certains prédisent l'apocalypse, d'autres estiment que l'état de droit va triompher. Alors vous êtes ici, je vais vous poser la question, et c'est une question fondamentale. Comment vous allez, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Parce qu'à la limite, nous ne sommes que des voix. Hein? Comment faire pour que, aussi profondes que soient les contradictions, aussi profondes que soient les désaveux des uns par rapport aux autres, qu'on ne mette pas en péril l'équilibre de la nation, qu'on ne mette pas en danger la vie des gens, et qu'on n'instrumentalise pas les questions de pouvoir qui ne sont pas toujours des questions d'État. Okay. Jérôme, très rapidement. Trois solutions. La première, le gouvernement, et l'accord l'a dit, doit continuer avec la décrispation. C'est-à-dire, tout ce qui était dit avant même le dialogue, en ce qui concerne les prisonniers politiques, il faut continuer dans cette direction-là pour décrisper. C'est fondamental et ce n'est pas pour rien. Donc, continuer à libérer s'il y a un coup. Voilà, voilà, pour décrisper la situation. Deuxièmement, il faut que l'Union africaine ne s'arrête pas en si bon chemin. L'accord est signé, c'est terminé. Non. C'est que l'Union africaine puisse chercher à jeter des passerelles entre les résolutions du rassemblement et d'autres, par exemple les MLC qui n'ont pas participé au dialogue, et ce qui est dit dans cet accord, voir comment rapprocher les vues. Parce que c'est très fondamental et le faire immédiatement avant que les délais constitutionnels ne puissent se terminer conformément à la constitution que tout le monde veut protéger. Très bien, Jean. Troisième solution. Oui. Troisièmement, nous devons être matures. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, entre la Belgique et nous, si nous décidons de prendre des sanctions économiques, c'est la Belgique qui va souffrir. Et j'ai des exemples. Notamment, si on réduit les vols de Sabena, la première escale de Sabena, c'est Kinshasa. Si on réduit ne serait-ce qu'une fois la semaine, il y aura des chômeurs en Belgique. Mais nous n'allons pas aller dans cette voie-là. Nous ne voulons pas attirer les foudres de qui que ce soit. Nous sommes condamnés à évoluer, mondialisation oblige, dans cet environnement international. Mais à s'assumer quand même comme un État. Et à s'assumer comme État. Mmh. Et même les Occidentaux doivent s'arrêter de parler comme s'ils s'adressaient à leur ancienne colonie. Ici, nous sommes indépendants. Mais attention, merci, que la diplomatie, parce qu'il y a des écarts de langage. Quand j'entends le ministre Jérôme, les trois choses ont déjà dites. Merci, merci. Excusez-moi de vous prendre la parole, mais on a très peu de temps. Je terminerai par José, parce que c'est lui qui a commencé. Je prends Bolisson et on revient pour terminer. Oui, merci Willy. D'abord, à Diana, je voudrais noter que ici, quand on parle, ce n'est pas question d'être nostalgique par rapport à la paternité de la communauté internationale. Non, ici, nous faisons des analyses, nous faisons des propositions, parce que signer un texte et l'appliquer, C'est un autre pas. Donc, et nous voulons que ce pas-là soit très bien franchi. Il y va de l'intérêt de la nation. Nous pensons que les solutions ou les propositions, moi aussi j'en ai trois, il faudra. La grande tâche, je ne la donne pas à la SADC ni à l'Union africaine parce que de toutes les manières, l'accord en son sein prévoit le comité de suivi, je crois, le CSD, un peu comme le SIAD de l'époque. Mais le grand rôle ici, moi je l'attribue au gouvernement qui sera formé. Il faudra que ce gouvernement-là fasse preuve, surtout à partir de son animateur, d'humilité, pour aller négocier avec les non-signataires de l'accord. Parce que ça peut décrisper la situation. Jusqu'à quel point on peut aller? Non. Jusqu'à quel niveau on peut aller? J'ai parlé de dialogue et de négociations permanentes. Il y a par exemple un point, je prends, juste rapidement, je passe. Les gens du rassemblement estiment que dans l'accord, rien n'empêche au président Kabila de se présenter pour un troisième mandat. Si on change les Mais scrutins. À travers des concertations permanentes, si on enlève des zones d'ombre, on cherche d'équilibrer les choses, de parler malgré franchement. Malgré que l'accord est basé sur le respect de la Constitution. Oui. Et qu'on ne changera ça, c'est pas la Constitution. Ça, c'est le point de vue. Je ne réponds pas à leur place, mais je vous donne les éléments d'appréciation. Et donc, je pense qu'à travers un dialogue permanent, à travers des concertations permanentes et à travers des attitudes qui favorisent les renforcements de confiance. Quand on veut dialoguer avec Willy Kalinga, on ne le diabolise pas. Vice versa. Donc il faut éviter l'extrémisme. Deuxième solution. Deuxième, il faudra, là on a parlé de la communauté internationale, et tout, il faut que notre gouvernement et l'État congolais investissent profondément et sérieusement dans la construction d'une image positive du pays à l'extérieur.
Parfois, ça a un rôle déterminant, plus que même l'intérieur. Une diplomatie. Et merci voilà, beaucoup. La troisième et dernière proposition, Diana l'a dit, je suis totalement d'accord avec lui, le contre-accord est plus vulgarisé que l'accord lui-même. Donc, il faudrait que le gouvernement comprenne la nécessité de vulgariser l'accord porte à porte, animé des conférences, responsabiliser peut-être des gouverneurs des provinces aujourd'hui pour expliquer les enjeux du pays. Sinon, demain, on reviendra à un autre dialogue. Demain, le pays sera dépiécé et on va crier à la communauté internationale qui veut libaliser la RDC. Mais ça sera trop tard. Merci beaucoup, Bruno Mbolisson. Et Diana. Bon, écoutez, chez moi, il y a un proverbe qui dit que je le dis en français au lieu de le dire en langue maternelle. C'est bien en langue. Oui, parce qu'on est la langue. Et puis tu traduis. Oui, au début, Kaya Gouva Songindo, Aimulengi Gouva Songindo. On traduit pour ça. Ça veut dire que celui qui te poursuit, celui qui te pourchasse, ne s'arrête pas, n'a pas honte de continuer à te poursuivre et toi n'as pas honte de t'arrêter. Donc tu dois continuer à courir. Oui. Tu ne peux pas t'arrêter parce que tu es ici, mais tu as honte, les gens te regardent comment tu cours. Mais celui qui te pourchasse n'a pas honte de te pourchasser. Il faut que tu continues à courir et de toute sa force. C'est pourquoi j'ai dit, les amis ont fait voir que la communauté internationale ici, logiquement, ce n'est pas l'Occident. Mais dans notre tête, c'est l'Occident. Mais pourquoi, monsieur Raymond Tshibanda, n'est jamais allé à la Chine pour expliquer à la Chine voilà la situation que nous avons? C'est aussi un élément important. Aujourd'hui, c'est quoi? Il semble que c'est l'argent. Et ça, c'est la main qui donne. La Chine est aujourd'hui la main qui donne aux Occidentaux. C'est une main qui pèse. Mais pourquoi on ne va pas expliquer aussi à la Chine voici ce qui nous arrive? Sur le plan politique et même militaire, nous avons la Russie. Pourquoi Raymond Tshibanda ne va pas vers la Russie pour expliquer voilà ce... Créer l'équilibre des forces. Personne ne se suffit à lui-même. Les Occidentaux eux-mêmes ont créé l'OTAN pour se soutenir. Et nous, nous n'avons pas l'OTAN avec nous, très mais bien, nous vous, avons vous les possibilités. Donc une diplomatie. Alors, la grande diplomatie et ne pas avoir honte de s'allier avec des gens qui peuvent nous aider. Merci beaucoup. Il y a une autre chose, dernière? Non, je crois que C'est bien suffisant. Noté. Merci beaucoup, Joachim Diana. John Ngombra. Oui, pour moi, il y a deux volets. D'abord, l'application de l'accord lui-même. Si l'accord est appliqué tel qu'il est dit, on n'a même pas besoin d'aller crier sur le toit. Parce que, comme en marketing, il n'y a pas mieux qu'un produit qualitatif. Donc, il faut travailler sur le respect de l'application de l'accord, qui a même un chronogramme. Ensuite, il y a cette ouverture qui pose problème. Alors, dans quelle mesure est-ce que on peut aller vers les autres, c'est-à-dire en l'occurrence les rassemblements un tout petit peu, le MLC et quelques autres, pour le ramener? Alors là, nous nous retrouvons aussi dans une politique, dans des positionnements politiciens. Si tant est que l'accord est appliqué dans le respect, je pense que ce qui préoccupe les rassemblements, c'est d'aller aux élections et que donc les élections sont organisées. À partir de ce moment-là, même si les rassemblements ne rentrent pas au gouvernement, mais si la question électorale est réglée, je crois que tout le monde se porterait pour le mieux. Merci beaucoup. Nous terminons par José, avec lequel nous avons commencé. Oui, d'abord, mes quatre camarades aujourd'hui ont tout dit, mais moi je voudrais quand même... parce que je dois parler. Non, si vous n'avez rien à dire. Non. Je serais bien de réagir. En l'occurrence, j'ai à dire après nous avoir écoutés. Oui, premièrement, d'abord, ne nous trompons pas de discours. Nous analysons un accord qui est une espèce de bréviaire, d'abord pour les acteurs politiques. Donc, quand nous parlons des acteurs politiques, nous devons nous garder des discours désincarnés, des vœux pieux. Non, ils ne sont pas dans une posture de vœux pieux. Un homme politique, il est là pour ses intérêts, d'abord. D'abord pour ses intérêts. Les hommes politiques vertueux qui voient l'intérêt général au sens platonien du terme sont à compter sur le bout des doigts de la main. Ici, nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Parce que nous présentons les choses comme si nous avons une classe politique, des hommes... Je vais aller très... rapidement. Oui, non. Oui, mais c'est ça. Je suis là-dedans parce que sinon nous allons parler et puis voilà. Et donc par conséquent, ça veut dire que nous devrions voir ces choses en termes de rapport de force à l'interne comme à l'international. On a
parlé ici de l'Occident, de la, etc. Il y a une division de travail international que nous devrions renverser, nous. Pour renverser, il faut que nous ayons, nous, un intérêt national bien partagé. Tant qu'on n'a pas cet intérêt national, c'est ça le vrai problème, Willy. Tant qu'on n'a pas dégagé, nous, nous comme Congolais, vous Congolais, vous voulez quoi ? Sur des sujets essentiels, des Congolais ne sont pas d'accord sur des sujets essentiels concernant leur pays. Ils s'en réfèrent. Oui, alors c'est ça qui nous fragilise. Et donc cet accord se portera, tu vois que je suis dans le sujet, se portera d'autant mieux que si nous l'acceptons comme constitutif de notre intérêt national. C'est ça, sinon on va chanter dans toutes les langues, on peut même la vulgariser. Le problème n'est pas de vulgariser, le problème c'est de croire un chrétien, nous sommes ici, un chrétien, on le reconnaît par sa relation à la Bible. Tu ne peux pas être chrétien et tu es en dehors de la Bible. Un musulman par sa relation au Coran. Donc nous devons, on doit nous reconnaître, nous Congolais, par notre relation à nos propres textes. Est-ce que nous y croyons ? C'est ça qui est fondamental. Et nous sommes tous ici, nous avons assisté à combien d'accords ? Mais vous voulez désincarner, oui, vous envoyez à la foi alors que vous voulez nous amener à la réalité. Non, c'est ça la foi. Tout est question d'abord de la foi. La foi au sens premier du terme. Croire en. On doit croire en son pays. On doit croire en ce qu'on fait. Si on ne croit pas en son pays, les autres font le travail que vous vouliez faire. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez leur conseiller de faire ? Parce qu'ils vous écoutent. Hein. Ils sont très nombreux et ils attendent. Tiens, oui. Nous allons prendre quelques idées de José. Qu'est-ce que l'on fait pour... Je l'ai bien dit, ne perdez pas de point de vue de la question. Les contradictions sont telles que nous risquons de perdre ce pays si nous continuons à agir. Les contradictions ne reposent pas, Willy. Les contradictions ne reposent pas sur quelque chose de substantiel. Il ne faut pas fétichiser. Il ne faut pas fétichiser. Malheureusement, pour l'accessoire, il y a des morts. Oui, malheureusement, justement. C'est déjà beaucoup ça. Oui, c'est pourquoi, je me répète, c'est pourquoi nous devrions identifier ce qui est essentiel pour la nation. Et ce qui est essentiel pour la nation, qui ne va pas nous amener dans des travers. Nous devons faire la part des choses entre des postures politiciennes que nous voyons, qui dictent même certains discours. J'ai presque envie de dire la plupart des discours. Et ça, ce n'est pas une posture, et une ligne nationale qu'on partagerait. Parce que si nous n'arrivons pas à partager cette ligne nationale ensemble, mais nous irons d'accord en accord, et personne ne croira en cet accord, etc., etc. Je voudrais terminer par le gouvernement d'Union nationale. Vous savez, dans ces pays, quand est-ce qu'un gouvernement est d'Union nationale ? C'est quand Diana est là, c'est gouvernement d'Union nationale. Si vous ne prenez pas Diana, le gouvernement cesse d'être union nationale. Donc ce sont des concepts, nous devrons nous garder de lancer des concepts et désincarner. C'est ce que j'entends par concept. Merci. Oui. Merci beaucoup José, c'était très bien. Merci. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Je voudrais peut-être résumer en deux secondes en disant l'accord a été signé. Ça a été un effort majeur pendant plus d'un mois des hommes de tous les horizons. Des intellectuels, des politiques, des religieux, des chefs coutumiers, les gens de la société civile se sont réunis pour sortir cet accord qui est un chemin, une projection de l'avenir. C'est un avenir immédiat. L'accord va jusque 2018, je crois, au mois d'avril, où il y aura élection présidentielle. D'ici 2018, jusque le mois d'avril, nous devons agir pour ne pas perdre ce pays. Parce que si nous agissons de manière désordonnée, nous perdrons ce pays et ce n'est pas une fiction. Il faut demander aux Syriens, il faut demander aux Irakiens, il faut demander aux Libyens que les désordres et les chaos ne sont pas des fictions. Alors pour terminer, je vais quand même vulgariser aussi, parce que c'est une émission vulgarisée. Je vais lire simplement les préambules en lisant deux paragraphes. Et peut-être la prochaine fois, je continuerai à lire de temps en temps ces paragraphes. Nous, délégués des forces politiques sociales de la République démocratique du Congo, représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition politique et de la société civile, ainsi que de personnalités congolaises, réunis dans le cadre du dialogue politique national et inclusif pour traiter de la problématique de l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes, conformément aux principes énoncés dans la Constitution. Nous fondons sur la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, la résolution 2217 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 30 mars 2016 et les autres instruments juridiques et normatifs nationaux et internationaux pertinents, nous engageant à respecter
la Constitution dans son intégralité, c'est l'extrait d'aujourd'hui. Je pense que ce qui était à la cité de l'OUA, de l'Union africaine, se sont engagés à respecter la Constitution et dans toute son intégralité. Il faut donc que nous donnions justice au travail des autres pour que les critiques soient fondées non sur des préjugés, non sur des malentendus, non sur des postures politiciennes, mais sur le véritable souci de l'intérêt général partagé, comme l'a dit l'un d'entre nous. Mesdames et messieurs, merci de votre attention, de votre fidélité à cette émission. Vous êtes très nombreux qui nous avez écrit. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je voudrais quand même saluer Botamungu, qui est là à Nantes, qui nous a écrit un très long paragraphe et qui nous soutient. C'est un grand journaliste qui est là-bas et merci de nous soutenir. Merci aussi à ceux qui, du même ou d'une autre, nous suggèrent des idées. Nous sommes que des éditorialistes, nous avons que notre voix, mais nous partons de la bonne foi et de la sincérité, l'attachement que nous avons pour notre nation. Au revoir, et Espace Républicain, c'est pour la semaine prochaine. À plus. Espace Républicain. Espace Républicain.